Quand il cite Kreuzer, c'est parce que c'est le spécialiste européen de la symbolique et de la mythologie des peuples anciens, qui a été traduit en français en 1835. Or, Balzac, qui le connaît déjà, affirme dans un article sur la partie mythologique de la biographie Michaud la nécessité de fonder un système global à partir des symboles primordiaux communs aux principes de toutes les doctrines religieuses. Et il s'attache lui-même à créer et à développer ces mythes modernes, prônés dans l'ouverture de La vieille fille, qui font de la comédie humaine une œuvre, je l'expliquais ce matin, ressortissant aussi bien à la littérature des images qu'à celle des idées. Et la lettre sur Henri Beyle exalte l'éclectisme littéraire, cette école nouvelle dont Balzac se dit le seul représentant et qui demande la représentation du monde comme il est, les images et les idées, l'idée dans l'image ou l'image dans l'idée.